Eh bien, salut tout le monde, c'est Xibon, aujourd'hui on se retrouve donc pour un petit jeu des vacances, c'est Child of Light. Donc on va le faire en... je pense que c'est un jeu assez rapide, donc on va le faire, en 100 pour ce... comment ça s'appelle? Contrôleur, voilà, de jeu. On va le faire et pendant les vacances, ce sera, je pense, un épisode par jour, on va essayer. Je vais essayer, disons. Je connais pas du tout, mais le jeu avait l'air trop bien. Il avait des tout. Voilà. C'est trop stylé. Select. Auto. Non, nouvelle partie. Ça marche à la manette maintenant? Nice, nouvelle partie. C'est parti. Bah ouais, on va concentrer sur l'histoire. Le jeu m'avait l'air trop bien. Un petit jeu cool. Je pense que c'est du style à horrible. Je connais pas du tout. Hein. Mon enfant, viens te glisser sous les draps. Je vais te conter une histoire. Celle de l'ancien royaume de Lemuria. Et d'une fillette née pour la gloire. Un duc d'Autriche régnait sur ses terres. Sa fille Aurora à ses côtés. Sa mère, la duchesse, était un mystère. Son père en tout point l'adorait. Le duc élevait seul sa fille, auprès d'elle à toute heure. Mais la solitude l'emplit et il fourvoya son cœur. En l'an 1895, le jour du Vendredi Saint, le duc assista à une pièce, sa nouvelle épouse assise non loin. Aurora alla ensuite se coucher, mais le feu bientôt s'éteignit. Le froid la transperça alors, laissant sa peau transie. On la retrouva à l'aube. Pâle, Aurora s'était éteinte. Son père hurla son chagrin, mais vaine resta sa plainte. Nul doute n'était permis. Aurora n'était plus là. Pourtant, un beau jour, en un lieu étrange, elle s'éveilla. C'est beau. Belle poésie. D'accord, on va jouer Aurora. Ça, c'est sa bombe. Wow, la musique est trop bien. Ouais, c'est un rêve. Ah oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'elle sait qu'elle est morte, elle? Ah non, tu peux pas. Je sais pas, il faut arrêter de parler. Jeu de Ubi. Ubisoft Montréal. Production. Et hop, peut-être mieux m'entendre maintenant. L'enfant de la lumière, du coup, de Child of Light, c'est ça? J'ai jamais tilté, enfin, jamais cherché. Oh, bon, c'est ça, donc. Oh. La fille de la luciole. Chapitre 1. Alors, on a des PV, des mouvements. Et. Celui d'ici. Ah non, d'accord, elle sait qu'elle est là. Et du coup, c'est un rêve ou pas? Bon, attendez, bah non. À droite, le vieux menace. Allons-y. On peut sauter le mot ou pas? Genre là. Lumière en ces bois, si les ténèbres font loi. C'est beau, c'est vraiment plein de poésie. Est-ce que je peux tirer ça? Oui. Très bien. Très bien fait. Ah, ah, allez. Ah, c'est bien. Tu veux vraiment pas monter là? C'est bizarre qu'il y ait un chemin. C'est pas grave. Avancer comme le jeu nous. Attends, c'est super beau. Est-ce que je peux monter là? Non, d'accord, c'est un arrière. Oula. D'accord, ah, je rentre dans une grotte, ok. Aurora garde espoir. Mais y a lui là. Je fais quoi maintenant? Je sais pas du tout. Ok, alors la puissance sous les boutons. Y ça fait rien, X ça fait rien. Non. On va faire double saut. C'est pas toujours ça, je suis un peu perdu. J'ai pas oublié des boutons. Sauter, on peut voler? Non.
Putain, je comprends pas. Attendez. J'ai dû avoir des boutons qui sont pas mis. Attendez. Clavier. Bah non, c'est les mêmes commandes. Ah, je vois pas. Double saut. A, X, X, A. On va être par là qu'il faut aller du coup. Voilà. Ah, si on peut pas aller dessus. Du coup, y'a quoi là? Ah, ça passe pas. Oups. Fais gaffe. D'accord. Donc, bon, ok, donc c'était pas par là. Peut-être tout à l'heure. Putain, c'est dur par contre de voir. Ah merde. C'est dur de voir ce qui est au premier plan et ce qui ne l'est pas. Parce que c'est la même forme, y'a pas de. Ok, on peut aller par là. Y'a quoi? Un coffre. D'accord. Bon, je pense pas qu'on puisse le prendre tout de suite. Du coup. Non, c'est pas sûr. D'accord. Bon, bah, je découvre. Attendez. Ah, j'ai plus un coup. Hop. Alors. Donc là, c'est le loup. On va continuer. Hop. Pas bouger la caméra. Le cauchemar, ils esprits volent dans le noir. Oula. Rien à cause du monastère. Non, je dois me réveiller. Cauchemar, pitié, libère-moi. D'accord, c'est ça qui est dans un rêve. Ah, mon cœur ne tiendra pas. C'est beau ce qu'ils disent. Ah, qui a parlé? Fiole, moi, chasse donc la rosée de tes yeux. Avant, jeune fille, qu'il ne s'y noie. Luciole qui parle, c'est curieux. J'ai du mal à digérer mon repas. Dis-moi, je cherche mon chemin. Connaîtrais-tu une aurora? Oui, c'est vrai. Oui, ce nom est le mien. Oui, non, entends-tu par là? Ah, d'accord, ok. Allez. Bien étrange réponse que voilà. Voyons, ça c'était sottise. C'est bien moi, aurora. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Viens avec moi. Une dame attend. Ses cheveux tels une rivière. La peau diaphane et les yeux brillants. Mais voyante, fera cesser ce calvaire. D'accord. Très marrante, monsieur. Oh, elle est avec moi. C'est marrant. Oula. Oh. What the hell? C'est quoi ça? Oh. Ces branches. Sur ces branches, que sont ces objets? Talismans. De petites mains ennouées. Dis-tu donc? Ce sont des vœux. Des vœux de lumière dans l'ombre de la nuit. Suis l'orbe orange, elle t'ouvrira les yeux. D'accord. Écoute, les vœux sont délicieux. J'ai hâte de parler à mon père de ce lieu. D'accord, et donc là je peux les prendre aussi. D'accord, ça donne des. Ah, c'est d'accord, c'est des poules. Et ça. Ah, reviens là. Porte à la bouche, là, hein? Non, c'est avec la lumière. Ah, c'est mort, quoi. Ah, si je peux monter, non? Qu'est-ce que je peux faire ici? D'accord, je peux pas grand-chose là. Ah, bah, enfin. Entrez. De cet arbre se trouve le chemin. Accéder, je le crains. Sans couleur, j'ai trouvé la clé du mystère. Luciole, allume ton postérieur. Et
bien comme tu y vas. Obéi, il nous expliquera. D'accord. Vois l'ombre de cette sceptre se dessiner. Assemble le symbole sans tarder. D'accord. Ah ok, donc il y a ça. Ah, c'est d'accord. Ah d'accord, j'ai plus de piles. Ça va aller. Comment c'est quand je prenais ça déjà moi? Ah putain, j'arrive pas. C'est trop dur à contrôler. Alors c'est moi qui suis très nul. Nice, j'ai réussi. Cool, le tout dur. Sol, nous pouvons passer. Porte ici, quelle étrange idée. Et oui, X. C'est vrai que c'est bizarre, mais bon, sûrement la brillante. Ah, on me demande de retirer l'épée. Thème de la forêt, on peut douter. Ok, épée du Matilis. Attends, Paris. Je trouve ça. Quel éclat, cette lame semble le vrai. Oula, oula. Ah. Fillon, cette créature est couronnée. Par chance, ce rêve m'a pourvu. Et c'est trop bien les dialogues. Oula. Alors, ça, c'est le scène de combat. D'accord. Alors, la barre d'action indique qui agira. D'accord. Action. Pantaille. D'accord. Intéressant. C'est tour par tour. Et... Oh. Nice, je vais bientôt passer un niveau. D'accord. Donc je pourrais à la limite aller taper le... Ah non, je sais. Je vais retourner en arrière au début. Bah le truc, je pense... Non, quoique, non, je pouvais pas. Parce que dans tous les cas, si j'aurais battu le loup, bah, j'aurais pas pu quand même passer. Père, ça sera bon. Ouais. Est-ce qu'un père est... Celui dont je suis la fille, naturellement. On peut empêcher les combats, d'accord. Moi, j'ai bien envie d'avoir un combat. D'accord, je voulais juste vérifier. Ok. Ça a Luciole. Le supérieur. D'accord, on gagne beaucoup de trucs. Alors, des nouvelles compétences. Ouh, on peut dire donc, un grand arbre de talent tout ça. Bonus, augmente. D'accord. D'accord. On va prendre ça. Bonus OP. D'accord. Pas mal de... C'est quoi ça, des petits monsieur? C'est gentil. Pas de l'agence. Waouh! J'avais pas vu derrière. Qu'est-ce que c'est que ça? Surprise, plaquer un ennemi pour derrière. Oula. Oh, j'ai quand même vu. Ah, j'arrive pas à monter. Voilà. Donc, je pense que j'ai un avantage. Ouais. Ok, là donc, cet HP. Ok, je peux le d'accord le tuer en un coup. D'accord. Alors. Coffre. Point de mission du cimetière. D'accord. Ok, donc c'est pour les combats. Ah, c'est les choses à faire, c'est un tour plutôt. Ah, même vraiment, un jeu comme ça de base, je vous le dis tout de suite. C'est super intéressant.
fait super plaisir de jouer un jeu comme ça. Ça change. Pas derrière. Oula, y'en a deux. Ok, parfait. On a eu deux. Potion magique. PC disponible, plein de compétences. Donc on augmente la force de 2, hein, c'est pas mal. Je pense que c'est oula, les bestioles. Ok, par surprise. Bien sûr, il y en a qu'une seule. Ah, non. Sinon je passe au premier. Intéressant, je m'attendais pas à ce que ce soit un... Ah ouais, non, je vais... Bon, bah c'est... Bon, ça va finir comme ça, ouais. Ouais, non, bon, allez, ça sert à rien. Ok, attendez, on va juste regarder les contrôleurs, du coup. Et bon, ça, c'est pareil, hein. Regardez. Ça marche pas. On va prendre. Si. Juste regarder les touches du coup. Alors sauter. Wow. D'accord. Accélérer espace. Interagir. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de touches. Là-dessous. C'est intéressant. Ouais, du coup c'est mieux limite. A droite le vieux monastère. Entre deux la reine de lumière. D'accord. Mais aide-moi au roi. Oula, on en a l'aide. J'arrive. C'est qui ça par contre? Ça, ils ne savent-ils pas qu'une pierre interne ne peut pousser? Ah, c'est sûrement qu'il y a quelqu'un qui est mort. Par contre, on a demandé de l'aide. Ah, what? What? C'est qui ça? Là? Ok. J'ai peur d'avoir oublié quelque chose. Ah là, il y a un coffre. Bah, on va pas aller. Voilà. Ça s'en est mieux aussi. Non, c'est eux. Oculus. En fixant. Tu cliques sur l'équipement, tu peux le redessiner avec ton personnage. Oh oui. Il y a du feu en plus, parfait. D'accord, donc eux c'est des objets uniques en fait. What? Ah! C'est quoi, c'est ça? Il demandait de l'aide, elle, non? Ah d'accord, ok, bon.
Allez, beaucoup d'HP, ça progresse. Nice, les UA. What? Ah, beaucoup d'HP celle-là. Enfin, je pensais que c'était elle qui demandait de l'aide. Je vais voir comment, bleu. Bon, c'est comme un récupère. Ah, c'est vrai que j'ai ma voix. Ah, donc, d'accord, il y avait vraiment quelqu'un. Pas habitué. Pas le chou. C'est là. Bizarre, je sais pas trop qui peut demander d'aide. Jusque là ça ne servira à rien. Ah bah si, je vais la mettre là pour repasser. C'est ça. Je vois pas. C'est lui en fait, je voulais lui faire peur pour activer ça, mais il veut pas. Ouais, je pense c'est tout là-bas. Hein. Flash de lumière, il va. Je pense c'est là, mais. Simple à prendre en main et c'est vraiment...
super bien, c'est intuitif en plus. Tiens, faut faire ça, ça et ça. Je suis pas perdu. C'est pas très bon dans des jeux comme ça, même. Pardon. J'ai besoin d'être bon, mais dans les jeux d'avant, je suis pas. J'aime bien. Voilà. C'est bon. Ah. Oh non, y'a ça. Maintenant qu'elle est en exécution, ah, ça va être compliqué. Thomas! Ah, elle est ralentie. On la re-ralentir. Oh putain, elle tient le coup. Hein. Ouais, je suis obligé de en défense. Allez, ah, ça passe pas. Yep. Je vais t'avoir, toi. Nice. Compliqué comme combat. Hein. Bon, heureusement que je passe un niveau. Parce que là, c'est compliqué. Et c'est vrai que j'ai des potions. Dentor. Bah, merci. Écoutez, je ne sais pas du tout qui vous êtes. Alors, ça, je sais pas du tout. Voilà, qu'est-ce que c'est? Ah, j'arrive pas à monter. Je peux pas monter. Nous arrivons. Ah, ça, j'étais attention. Cette fenêtre cache ma prison. D'accord. D'accord. Faut que je fasse tourner, je pense. Parce que là c'est que le rouge. Il faut que j'arrive à faire tourner le truc. Alors comment on peut faire? Deux. Aucun cristal, regarde. Il doit être caché. Si c'est pas ça, le dernier est caché. Non, c'est bon. Yo! Oh.
partir sur la défense. Non, c'est bon. Lui, lui il me tape. What the fuck? J'ai perdu ma couronne? Ah non, c'est bon. Ah, ça passe pas. Ok, ah si, il a... C'est juste, il a fait un... Parfait. Où sont mes cheveux? Passe. Ça passe. Plus 800? Tiens. Par contre... oui, j'ai perdu mes cheveux. Ouais. Oh, magie, nice. Où sont mes cheveux? Bravo. Le combat a tellement été intense que je les ai perdus. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est elle qui nous a demandé de l'aide? Non. Il était une fois une jolie contrée, aux vallées scintillantes et aux pics enneigés. La nuit, des châteaux en ruine prenaient vie sous les feux d'albâtre, de la lune montante et des astres. Sur ce lieu régnait une reine de lumière. Belle et radieuse comme l'aurore, planant dans son palais, solitaire. Puis une nuit, d'elle il n'y eut plus trace. La reine avait disparu et avec elle son éclat. Ainsi les ténèbres prirent sa place, dissimulant l'usurpatrice Umbra qui chargea ses filles d'un crime odieux. Elles volèrent le soleil, les étoiles et la lune, les arrachant des cieux, et la nuit survint. Oh l'infortune! Les créatures d'Umbra envahirent les Moria, nos vies effacées d'un claquement de doigts. D'accord. Merci madame pour cette histoire. Madame, merci pour cette histoire. Je suis très éveillé à présent. Mon récit est-il donc endormi? Bah oui. J'ai rien inventé, mon enfant. Tout autour de nous s'étend les Muria. Ceci n'est un rêve, Aurora. La seule issue, un lien magique. Un miroir derrière le trône. Volé par Umbra, la reine maléfique. Pour enfin rentrer chez toi. Tu devras chasser l'obscurité. Avec des étoiles, le ciel et la lune pour allier. Non, impossible. Mon père m'attend. La Luciole t'a dit que vous m'aideriez, pourtant. La Luciole a un nom. Reprends courage, voyons. J'ai créé Iniculus pour t'aider. Un insecte minuscule? Quelle idée. Je ne pourrai jamais rapporter. Les étoiles, le soleil et la lune. Courage, tu peux y arriver. Pour le soleil et la lune, vise l'endroit le plus haut et le plus bas. L'endroit d'où tu viens, il faut retourner. Passe l'autel sur lequel, ce jour, tu t'éveillas. Franchis un arbre noueux aux épines affûtées. Et réunis des camarades au fil de tes pas. Cette toile, ouvre de moi. Comment atteindre les cieux?
Cher enfant, la réponse est là, au-dessus de toi. Ouvre les yeux. Eh, c'est vachement beau comme... Et j'adore ce jeu. Excellent. Magnifique. Qu'est-ce que c'est? Oh! Et on peut voler. Oh, c'est extraordinaire. Ah, j'ai des ailes. C'est pas une fée, si dans les ailes. Tu es un enfant de lumière. Ah ouais? Écoute-moi bien. Cette couronne, enchantée vois-tu. Sur ta tête, toujours elle doit rester, c'est entendu. Une dernière chose avant de m'en aller. Si jamais l'espoir venait à te manquer. Merci. Que sert-elle exactement? Navré, je ne t'entends plus, mon enfant. Adieu, roi. Allez. Oh, attendez, je... Dois-je savoir? Dois savoir, mon père, il va bien. Ah oui, d'accord. Hormis la nuit, je n'ai plus rien. Ah, c'est compliqué des fois de suivre, en fait, je fais des erreurs alors qu'il faut pas. Oh! Aurora continua ainsi sa route, dans la pénombre de la forêt. Avec pour guide les étoiles, une luciole seule à ses côtés. Elle se languissait des siens, une famille la croyant perdue, dans sa quête du soleil et de la lune, et d'un père de chagrin éperdu. Et quelque part dans la nuit, sur un trône ne lui appartenant pas, l'usurpatrice Umbra brûlait d'éteindre la flamme d'Aurora. Oh bah dis donc, ce jeu est... archi bien. Ce que j'ai à dire. Vers l'ouest. Ouais, mais ce sera pas tout de suite. On va s'arrêter là quand même. La foi, utilisons ce truc. Sur la gauche, les gens d'Azale. Voir l'arbre aux épines se dresser. Luciole, vers le ciel. Et donc ouais, comme je disais, on va... Ah, j'ai le cœur indécis. Mais non. Je vais mettre sur pause et on va s'arrêter là, donc... Ce jeu est vraiment trop bien. Ça... On a à dire. Là-dessus. Et on va s'arrêter pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à laisser des petits pouces, ça vous fait plaisir. Parce que moi, franchement, il est vraiment génial, ce jeu. Et donc voilà. Donc je vais vous laisser là pour cet épisode. N'hésitez pas à laisser un petit pouce si vous avez plu, on se retrouve la prochaine fois. Pour la suite, et je ferai aussi un autre let's play des vacances. C'est sur I Am Alive, mais I Am Alive, j'ai vraiment pas trop aimé le faire en vidéo. J'ai essayé de record, j'ai vraiment pas bien aimé. Je vais faire sur un autre jeu que j'ai installé récemment, que j'ai pas encore lancé, mais en dehors Soul Suspect. Et ensuite, je vais continuer pas mal LOL parce que bon, il faut quand même. Donc, ce sera sûrement ces trois là. Game of Thrones arrivera aussi. Donc, techniquement, là où je vous parle, Game of Thrones va sortir, l'épisode 1 et 2. Un seulement d'épisode 2, partie 1 de l'épisode 2. Il y a quoi d'autre? C'est tout pour l'instant. Donc voilà les gens. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Sexy Boy. Tchuss.